Bonjour à tous et bienvenue dans ce 32e épisode sur Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1. Bon, on va continuer là où on s'est arrêté. Quoi, quel est le problème? Pourquoi un équilibre est parti? Le pouvoir est bien, mais il donne des suggestions de vent qui sont difficiles. J'ai tiré le maximum de cette forme. Laisse-moi apprendre ton pouvoir maintenant. Voyons voir, tu vas être tué par ton propre pouvoir. Eh bien maintenant on bouge plus. Stop. Quoi? Toi, tu es toujours là? Personne ne dit à Ranran ce qu'elle doit faire. Un ballon de lumière? Qui es-tu, bon sang? Une copie? Ma copie, ma puissance de déesse. Miss If, s'il te plaît, donne ça à Lady Ver rapidement. D'accord. Tout est de votre faute. C'est déjà du déjà vu. Mince. Miss If, s'il te plaît, prends soin de Lady Ver ou je t'enverrai ailleurs. Lady Ver, prends ça. Oui. Ce pouvoir, ça fait bien longtemps. J'utiliserai ce pouvoir pour te battre toi et ton et ta mauvaise. Donc c'est Lady Ver en HDD. Waouh. Elle est mignonne. Non, magnifique. Merci, fille. Mais d'abord, battons notre ennemi qui se dresse devant nous. Neptune, Compa, pouvez-vous rester debout? Bien sûr, je me ferai pas battre si facilement. Si Nep reste debout, moi aussi je reste debout. Vous êtes persistante. Pas de problème, je prendrai soin de vous tous. Bien si tu le dis, mais tu vas regretter ta décision. On y retourne là? Encore? Alors on va essayer de... Ça fait mal, mais c'est pas grave. Oh non, mais... Mais ça va faire trop mal. Compa, tu vas te mettre loin et tu vas soigner Ifi. Ah, c'est pas celui-là que je voulais faire. Pas grave. Ah, c'est l'emergency parce que Ifi elle a plus de vie.
Il va falloir que je trouve des trucs pour augmenter le SP de Compa parce que là ça va être compliqué sinon. Si elle est par terre, ça va être dur. Moi je me suis si rapproché. Attends, D, on va switcher avec vert. Voilà. Spiral break. C'est parti, on va se mettre loin. On va pouvoir la toucher. Mais c'est qu'elle fait du dégât, dis donc, la petite. Ok. On va essayer de heal Compa, voilà. Compa, tu vas t'en aller un peu et puis tu vas voilà. Si va-t'en parce que ça sent pas bon. Excusez-moi, je me trompe un peu de touche, mais c'est un poil la galère. Exedrive, du coup, c'est parti. On va se mettre un peu loin et on y retourne. Je suis désolé, mais là j'ai besoin de faire énormément de DPS donc. Un peu obligé d'utiliser les sorts. Ça va pas tenir, voilà, c'est pas grave. On va être compliqué, non, c'est bon, ça va tenir. Bien joué, Compa. Ouais, c'était chaud. Alors, vers niveau 27. Je peux pas croire que tu as autant de pouvoir. Les clichés ont la vie dure. Cette victoire est pour Ranran et Ify. Attends, Vert, il semblerait que tu as oublié les deux autres qui sont là. Nous sommes pas si importantes pour toi, Lady Vert. Oh non, c'était pas mon intention. Je donne juste un prix supplémentaire pour les deux autres. Ne prends pas ça si sérieusement, je suis juste ravi que tu aies ton pouvoir à nouveau. En tout cas, j'exprime toute ma gratitude envers vous toutes. Donc que devrions-nous faire avec cet évangéliste? Je
Laissons-la aussi loin que possible de nous. Je suis sûr que Louis est derrière tout ça. Vous pensez réellement avoir des informations pour moi à propos de moi ? Tu continueras à jouer les fortes ? Non, mais maintenant je dois vous dire adieu. À bientôt, à plus. Elle est partie. Et juste au moment où nous l'avions, il semblerait que c'est une adepte de la course. Si nous la rencontrons à nouveau, elle ne s'enfuira pas. Eh bien, soyons juste contents que tu aies retrouvé ton pouvoir. Maintenant, nous avons toutes besoin de repos. C'est vrai, je dois m'occuper de Ranran, donc rentrons, voulez-vous ? Ah, Nep-Nep, juste une seconde. Quel est le problème, Kampa ? As-tu trouvé quelque chose ? Je pense. Regarde. C'est un clé de fragment ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah, histoire ! Laissez-moi vous expliquer. Cette voix, Isti ? Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Et ravi de parler avec vous, les divers Ifi. Donc tu es Isti ? Je pensais que tu étais scellé. J'utilise la résonance du clé de fragment que tu as trouvé. Par ce moyen, je suis capable de temporairement de parler avec vous. Je suppose que je comprends. Donc pourquoi ce clé de fragment est ici ? C'est celui que Arfoir a pris et vous a jeté. Arfoir, c'est donc ça son nom ? Je crois qu'elle a peur que vous les collectiez, donc elle en garde un sur elle. Ça expliquerait pourquoi il était là. Un seul mot pour vous prêter, vous devez faire attention. Arfoir, le vrai pouvoir d'Arfoir est le pouvoir de la copie. Donc, je vois. J'ai retrouvé mon pouvoir, mais elle devra toujours avoir une copie de celui-là en elle. Oui, Arfoir garde une copie du pouvoir pour faire le sien. Ce serait une chose effrayante si elle prenait le pouvoir de Nep. C'est pour ça que je voulais vous alarmer de son vrai pouvoir. Il semblerait que mon temps est écoulé. S'il vous plaît, continuez de regarder les clés de fragments. Je peux plus entendre la voix. Mais l'information que nous avons est très importante. Vrai. Je dois faire attention pour pas que ça arrive à nouveau.
Que voulez-vous faire maintenant ? Bah, j'aimerais bien rentrer à Planète Neptune, premièrement, et après aller à Leoi. Hein, rentrer à la maison déjà ? Allez, laisse-moi avoir un peu de fun et rester ici. Histoire nous a demandé de collecter les clés de fragments. Avoir ça est une priorité. J'aimerais énormément rester avec les divers, mais nous avons des choses qui nous attendent et que nous devons faire. Ify, tu es tellement strict. Qu'est-ce que vous allez faire, Lady Vert ? Il y a tellement de choses que je dois prendre en compte, spécialement après ce qui s'est passé. Je dois garder un œil sur les adorateurs du Seigneur et du disque ennemi aussi. Mais une fois que je l'aurai fait, je vais définitivement venir et venir te voir, Ify. Oh, petite histoire d'amour. Il y a tellement de choses à faire, spécialement après ce qui nous est arrivé. Pourquoi Nep se fout de sa gueule ? Et pourquoi tu es avec nous ici ? Je peux pas arrêter de penser de voir Ify. Et à propos de tout le travail, tu sais, tu as beaucoup de choses à faire. Oh, Ivoire et Ranran peuvent prendre soin de ça, pas de problème. Ok, d'accord. S'il vous plaît, confirmez et approuvez ces documents avant aujourd'hui. Nous avons eu des plaintes comme quoi rien ne répondait. Qu'est-ce qui se passe ? Attendez, s'il vous plaît ! Laissez-moi dormir ! Ranran n'a pas pu dormir pendant 3 jours. Lady Vert, aidez-moi ! Ici, il y a deux manifestes que vous devez ajouter. Ah ouais. À mon avis, ça doit pas être facile. Hein ? J'ai l'impression de sentir comme un appel au secours et de l'agonie de l'inbox. Oh, maintenant, être strict est une chose fondamentale pour faire une fondation solide. Lady Vert, tu me serres trop dans tes bras. S'il vous plaît, aidez-moi. Oh, si rapidement, j'ai trouvé ce que j'avais besoin, Ify. J'ai besoin qu'Ify soit avec moi 24 heures sur 24. Et maintenant, je te laisserai pas partir si facilement, ma petite Ify. Oula. Oulala. Pourquoi j'ai l'impression de ressentir comme si j'avais déjà vu ça avant ? Nep Nep, je vous ai préparé un peu de pudding. Oh, Kampa, tu es génial.
J'ai fait un peu de thé vert. Ah, j'ai fait du pudding au thé vert cette fois. Juste pour toi, Nep Nep. Eh, ça a l'air délicieux. Est-ce que je peux en avoir? Oui, voilà, pour toi. Oui, Maifi, ouvre en grand. Je peux manger ce pudding par moi-même. Oh, Ara, ne sois pas timide. Je veux te nourrir par moi-même. Donc ouvre en grand. Oh. Eh, ça devient chaud ici. C'est comme un rendez-vous. Attends, je fais semblant parce que je refuse que les divers soient méchantes. En parlant de ça, Vert, tu as fait toute la route avec nous, donc pourquoi pas te joindre avec nous? Bien sûr, restez attaché au petit doigt de Ifi, je serais ravi de vous joindre. Ok, et eh bien bienvenue à notre joyeux camp pour faire la fête, Vert. Wouh, on a fini le chapitre 3. Vous êtes tous ici? Oui, quel est le problème, Ifi? J'ai eu des infos comme quoi Conversation était à Louis. Dépêchons-nous. Ok, mais avant ça, où as-tu eu ton information? Ouais, c'est quelque chose qui m'inquiète aussi. Il n'y a rien de secret, j'ai plein d'amis qui me donnent plein d'infos partout. Ifi, tu as plus d'amis que juste nous? J'ai voyagé tout ce temps, bien sûr que j'ai des amis. Je suis tellement envieuse que tu aies tellement d'amis autour du monde. Passons à autre chose, où est les divers? Elle a dit qu'elle avait besoin d'aller faire du shopping. Peut-être qu'une nouvelle chose est arrivée? En dépit qu'elle soit une déesse, elle n'agit pas comme elle devrait être. Je suis rentré. Oh, c'est méchant. En parlant du diable, bienvenue, Vert. Oh, Maifi est de retour aussi. Y a-t-il d'autres informations à partager? Ah, j'ai des infos comme quoi Conversation et Louis à la chapelle. Eh bien, nous devons partir à Louis. C'est pour... Je suis ravi d'avoir fait cet achat. Oh, c'est vrai? Qu'as-tu acheté, Vert? Un nouveau jeu vidéo qui vient de sortir? Oui, mais mon achat principal était... Oh, comment ça a l'air? Mais c'est les lunettes de noir, c'est pas possible! Est-ce que je suis éblouissante ou est-ce que ça me va? C'est... Des lunettes pour me couvrir. Je peux pas marcher tout autour sans ça. Ça
Oh, je pense qu'il y a des parties plus proéminentes que tu dois cacher plutôt que ses yeux. C'est pas vrai, regarde. Regarde attentivement. Je dois avoir une aura différente avec ça. C'est vrai? En parlant de tout ça, ça te donne un l'air plus intelligent. Vraiment? J'ai l'impression de voir la même verre pour moi. Merci d'avoir remarqué, Ify, et je remarque ton amour envers moi devient de plus en plus fort. Je pense pas que Ify a dit quelque chose à propos d'amour. Maintenant que je suis prête, on peut partir tout Louis. Compa, as-tu un vêtement plus chaud avec toi? Bien, j'en ai depuis... J'en ai qui reste de l'hiver dernier, pourquoi? Laisse-moi deviner, tu n'es jamais allé à Louis? Oui. Eh bien, je partagerai... Je te dirai plus de détails maintenant, plus tard. Allons-y. Ify, il fait froid ici. Ouais, Louis est toujours sous la neige. Où est ton vêtement chaud? Merci. Et à propos de toi, Nep, j'ai peur. Ouais, de la neige. Regarde, regarde, Ify. Mon souffle est blanc comme un souffle de dragon. Allez, construisons un bonhomme de neige. Je vais prendre ça comme une réponse, Lady Vert. Je suis ravi d'avoir pris un vêtement chaud. Lady Vert, pourquoi me fais-tu un câlin? Eh bien, tu as dit plus chaud. Donc, je vais me coller à toi pour avoir plus chaud, Ify. S'il te plaît, c'est embarrassant. Prends ce vêtement plutôt. Laisse-moi mettre cette chose entre mes dotations ici. Maintenant, retournons sur Ify. Eh bien, c'est amusant, comme pas. Allons-y, laissons les deux tourtereaux ensemble et partons. Wouh! Bon, et bien voilà, c'est la fin de ce 31e épisode sur Hyperdimension Neptunia Rebirth 1. C'était super chaud, enfin super froid parce qu'on a Louis. Ok, c'était nul. Bon, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il est un peu plus long que d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. À laisser un commentaire, ça fera super plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures avec Compa, Ify, Vert. Et puis, bah, à la prochaine. Tchuss tout le monde!